Bravo, c'est une deuxième maison le Qatar ici maintenant. Oui, non, en plus ça me fait plaisir de gagner pour Alban, mais en plus ce petit cheval-là je le connais très bien. Et je m'en souviens très bien, comme son père est whipper, il a une bonne accélération. Je me suis dit, s'il fait la même chose, ça devrait être bien. Merci Olivier, bravo. Freddy, alors ? Des bons souvenirs ? Ah, c'est extraordinaire, je suis fou de joie. Fou de joie pour le cheval, fou de joie pour le Cheikh Abdullah. Et c'est magnifique, magnifique. On rappelle un peu, c'est vous qui l'avez entraîné, vous l'avez eu combien de temps ? J'avais gagné à 2 ans, bah, je l'ai eu à 2 ans, j'ai eu Yearling. Et puis j'ai gagné pour ses débuts à Compiègne. Ensuite, il avait bien couru dans des courses à condition. Et puis je l'ai envoyé donc ici au Qatar. Et puis voilà. Il est content le chef ? Bah oui, ça fait plaisir de gagner, non ? Non, non, c'est... oui, gagner comme ça, c'est très bien. Oui. Un peu d'inquiétude au début de la course quand même, il était loin, non ? Non, et oui, parce qu'on le connaît le cheval, et puis Olivier avait décidé de le monter sagement pour pouvoir venir dans la ligne droite. Comme il a dit, il faut mieux pas être dans trop près tout de suite, parce que souvent vous avez des contacts, etc., des chevaux qui sont repris, ou des chevaux qui vont trop vite, qui n'arrivent pas à tenir le rythme. Donc il a dit, je préfère le monter et venir en progression tout le temps, et c'est ce qui s'est fait. Et puis, bon, il a eu un parcours en or.